Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de taekwondo. Le taekwondo, c'est quoi? C'est un art martial d'origine sud-coréenne qui veut se traduire par la voix des pieds et des poings. Donc, c'est parti pour le taekwondo. Paso! Donc, pour pratiquer le taekwondo, il vous faut un dobok, le haut et le bas, et aussi une ceinture. Donc, pour la ceinture, en fonction de ton niveau, la couleur de la ceinture va changer. Pour les débutants, ceinture blanche, ensuite il y a la ceinture jaune, orange, verte, puis la violette, mais je l'ai pas là, je sais pas, je l'ai perdu. La ceinture marron ou bleue. À mon époque c'était la ceinture marron, maintenant c'est la ceinture bleue, je crois. Et ça c'est la ceinture rouge. La ceinture Pumps pour ceux qui ont moins de 14 ans et qui peuvent pas passer la ceinture noire. Et la ceinture noire. Donc lorsque tu deviens pratiquant de taekwondo ou taekwondoiste, pas taekwondoeur ou taekwondoman, je sais pas quoi, tu apprends à donner des coups de pied, donner des coups de poing, faire des blocages, faire des prises pour la self-défense. Et tu apprends aussi à faire des poussées. Les poussées, c'est quoi? C'est un enchaînement. C'est un enchaînement de blocage, coup de poing, coup de pied. Hop. Et tu termines souvent par un Kia Faso. Hey, plongez la couille. Mettez-le. Ah oui, je ne vous ai pas présenté Bobby, mon partenaire d'entraînement, celui qui encaisse tout et qui ne dit rien. Hein? Tu dis rien. Qu'est-ce que le kiap et à quoi ça sert le kiap? Le kiap, c'est le cri que tu fais lorsque tu donnes un coup de poing, un coup de pied. Ça permet de s'exprimer. Le kiap permet de libérer ton énergie, de prendre l'ascendant sur ton adversaire comme ça. Bato! Ah oui, au taekwondo, la souplesse, c'est une chose très 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 importante à ne pas négliger. Franchement, être souple, c'est vraiment un atout. Donc, comme mon savonyme dit, donc le savonyme c'est le maître, stretching every day. Et tu passes vraiment pour un con et tu fais des relevés. Ça fait mal. Mais c'est bon. Et nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais faire plusieurs petites vidéos pour présenter les différents coups de pied en taekwondo. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez Bobilia, on va manger. Faites du sport. Faites du sport. Ah oui, j'ai oublié de faire le salut de fin. Chaliot, tu n'y es. Kamsamida les gars. Passa.